Barack Obama veut peser sur la campagne présidentielle américaine. Il l'a encore montré hier en conférence de presse en se fendant d'une nouvelle charge contre Donald Trump. Le président des États-Unis se dit optimiste. Il pense que le milliardaire républicain a peu de chances d'être élu à la Maison-Blanche. Je continue à croire que M. Trump ne sera pas président, dit-il, car j'ai confiance dans le peuple américain. Ils sont conscients du fait qu'être président est un métier sérieux. Cela n'a rien à voir avec l'animation d'une émission de télé-réalité. Revigoré par sa victoire dans le New Hampshire, le candidat républicain n'a pas tardé à réagir aux propos du président américain qu'il tacle régulièrement depuis le début de la campagne des primaires. Cet homme nous a fait tellement régresser, dit-il. Pour vous dire la vérité, je prends ses remarques pour un compliment. Favori des sondages dans le camp républicain, Donald Trump a multiplié les phrases choc depuis le début de la campagne, suscitant l'indignation des démocrates. Barack Obama, qui arrive en fin de mandat, avait vivement dénoncé ses propos sur les musulmans et le climat.